ici Jean-Marc Mel. Bonjour des spectateurs de Romelfa TV. Je vais vous présenter le journal télévisé du mois de janvier. D'abord, les vœux du maire, du président de la communauté de communes, du député et du sous-préfet. Déjà 6 ans que nous avons été élus à la tête de la municipalité en succession d'Alfred Poirot et de son équipe, que je tiens d'ailleurs à saluer ici. Dire que la tâche était difficile, oui, elle l'aurait été sans l'appui inconditionnel de notre dévouée Martine. Où est-ce qu'elle est, Martine ? Elle se cache, là-bas, tout droit devant nous. Secrétaire de mairie tellement disponible et efficace. Oui, elle l'aurait été sans l'aide de tous les instants de nos 3 adjoints. Nénette, Jean-Claude, Jean-Jacques. Et je n'oublie certainement pas tous les conseillers municipaux qui sont présents ici autour de nous. C'est facile de travailler avec une équipe soudée, même si, de temps en temps, on perçoit quelques dissensions. C'est humain. La participation aux réunions de conseil a été exceptionnelle pour vous toutes et tous. Et la tribune qui m'est donnée ce jour est aussi pour vous remercier. Dernière cérémonie de vœux de la mandature, elle sera aussi la dernière où certains et certaines d'entre vous seront présents en tant que conseillers. Dès l'année à venir, vous en serez, mais en tant qu'invité, pour ceux qui s'arrêtent. Votre travail, dévouement et abnégation pour Romelfin sont à signaler. Et j'espère du fond du cœur que vous garderez un bon souvenir de votre passage en conseil. Puissiez-vous être heureux dans votre vie après la vie. Il ne faut pas non plus oublier toutes ces personnes, souvent, qui œuvrent dans l'anonymat de leurs fonctions. Je pense à nos présidents d'associations, sans qui un village n'existe pas en tant que tel. Avec cette vie que vous insufflez à la commune, cette énergie dont vous débordez pour faire de Romelfin une commune à nul autre pareil. Et nos entreprises locales ne sont pas oubliées non plus. Présentes aujourd'hui pour leur rendre hommage et les remercier. La qualité de leurs travaux n'est plus à signaler, tout le monde le sait, Romelfin a un savoir-faire unique. Et sans oublier notre personnel éducatif, bien entendu. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il viendra peut-être. Il y a aussi notre personnel municipal, qui est toujours aussi efficace avec une nouvelle figure, Jean-Michel Huffenus, que je cherche, il est accroupi. Il se cache presque. Hein. Et les anciennes, Elisabeth, là-bas. Et Ouria, qui devrait nous rejoindre tout à l'heure aussi. Je profite au passage pour honorer aussi notre dévoué Auguste, où il est, à côté de Martine, qui a encadré avec Jean-Claude et moi-même cet été nos jeunes, dans le cadre de l'opération Job d'été que nous avions lancée comme les années précédentes. 7 jeunes, entre 16 et 18 ans, ont été employés par la commune et ont bénéficié d'une première paye dans leur vie, ce qui n'est pas rien. Ils ont accompli par des températures souvent caniculaires, des travaux d'entretien et de nettoyage du village. Sans compter les passages chez nos personnes âgées qui étaient partantes pour les accueillir. Le temps d'un échange intergénérationnel et d'une boisson bienvenue avec un gâteau ou une pâtisserie. Ça va de soi. Bien sûr, je ne parlerai que très peu de notre site internet porté par Freddy, qui est malheureusement absent aujourd'hui, et Romelfin TV, qui fédère les idées et est un bouillon de culture dans notre si belle campagne.
Autour de moi, quelques-uns de nos emblèmes de Romelfin TV. Il y a Mathieu. Ils portent tous les t-shirts Romelfin TV. Il y a Mathieu, et, qui est un de nos présentateurs de journal télévisé. Et Dominique Lacroix. Où est-ce qu'il est? Il est là, avec son t-shirt aussi, mais il le cache presque. Qui est un talent à l'état pur, qui s'est révélé dans ses reportages. Je profite pour l'occasion, de l'occasion pour proposer aussi à nos invités ces services. Si vous avez besoin d'un caméraman, vous pouvez le faire appel à lui. Vous ne le regretterez pas, parce qu'il est super. Bien sûr, l'ombre de Freddy Zenger plane aussi sur Romelfin TV, car c'est lui qui assure la mise en ligne de nos images. Et je tiens encore à le préciser, Romelfin TV ne coûte pas un centime à la communauté. Et nous formulons le vœu pour 2020 que la Comcom crée un département audiovisuel afin de porter encore plus haut notre belle région et la faire découvrir au monde entier. Ici, le monde entier. Je viens de recevoir des messages de Madagascar, pas plus tard qu'avant-hier, de Pélissane, du Castellet, de Nîmes, où on nous regarde et où on partage notre projet télévisuel. N'est-ce pas la plus belle des récompenses? Je vous le demande. Si Romelfin TV n'a pas eu la récompense suprême lors du Grand Prix des Mers à Paris en 2019, je vous fais la promesse que nous repartirons à l'assaut pour ramener le précieux trophée de Paris en 2020, si Romelfin et sa population nous font confiance. Ça y est, j'ai lâché le mot. Ceux qui ont suivi les vœux pour la nouvelle année sur les ondes de Romelfin TV, où Fabien a également participé, le savent déjà. Nous allons repartir pour un tour avec un noyau constant de l'ancienne équipe. De l'actuel, plutôt. Il y a encore des choses à terminer et à réaliser. Je pense à notre beau parking en cours de réalisation. On ne le voit peut-être pas encore vraiment en venant actuellement, mais bientôt il sera éclairé, illuminé, et vous allez voir qu'il est superbe et qui devrait être achevé au printemps 2020. Il y a aussi l'Arlésienne de l'assainissement, qui devrait venir à Romelfin après nos voisins fénétrangeois, Niederstinzellois, Hellringeois, etc. Mais si c'est désormais la Comcom qui pilote les opérations, ça sera un bon choix. Témoigne de l'importance de ce rendez-vous et permettez-moi d'y voir aussi la marque de votre intérêt pour notre communauté de communes. C'est d'abord le plaisir sincère de vous souhaiter à chacune et à chacun une bonne année 2020, une bonne santé et du bonheur, toute l'énergie et la force pour transformer vos projets en réalité. Il est des traditions comme celle-ci qui nous unissent, qui renforcent nos liens et nous aident à faire face ensemble aux défis de l'avenir et quelquefois aux défis de l'inconnu. 2019 vient de nous quitter et pour notre communauté de communes, l'année fut particulièrement active et je remercie l'ensemble des élus et des services pour leur implication. Chacun se souvient encore du processus de fusion entre 5 communautés de communes et qui nous a été imposé le 1er janvier 2017 pour créer la nouvelle communauté de communes Sarbeau-Moselle-Sud. 3 années se sont écoulées, passionnantes, exigeantes. Ça a marché tout à l'heure, mais bon. C'est bon. C'est peut-être un peu loin, mais c'est un espace de collaboration de 76 communes, près de 47 000 habitants, une instance de décision composée de 107 délégués, un espace qui s'étend sur 832 km², dont la moitié est couverte de forêts. Il nous a fallu beaucoup d'énergie et de résilience, bien sûr une grande part de résignation pour nous organiser, pour mettre en place l'instance de gouvernance, pour l'affectation du personnel, pour l'harmonisation des compétences, pour l'harmonisation de la fiscalité. Et je crois que nous avons été efficaces. Mais ces questions d'organisation, si complexes soient-elles, et croyez-moi, elles l'étaient, en fait, n'étaient qu'un préalable, qu'une mise en bouche. L'essentiel tenait dans notre capacité à entreprendre rapidement,
à accompagner de nouvelles dynamiques à l'échelle de ce nouvel espace de coopération, à construire des solidarités entre toutes les communes, de la plus petite à la plus grande, de celle de 14 comme celle de 12 300 habitants. Ce travail de fusion n'est certes pas encore tout à fait achevé, mais sur ce point, je crois que nous pouvons aussi nous comparer à une autre fusion, celle des trois anciennes régions, une année plus tôt, donc en 2016, et à ma connaissance, la région Grand Est est toujours en cycle d'apprentissage. Vous le savez, 2020 est une année particulière, c'est une année électorale, et nos propos en public se doivent de respecter certaines règles. C'est la raison pour laquelle, ce soir, mon discours se limitera au bilan des réalisations de 2019 et aux seuls projets de 2020 qui sont déjà engagés. Tout d'abord, un chiffre. C'est mon petit-fils là-bas qui réagit. Il reconnaît son papy. Hein. Bonsoir Victor et Arthur. D'abord un chiffre. En 2019, l'ensemble des 9 budgets agrégés de la communauté de communes ont porté sur plus de 66 millions d'euros, dont 29 millions d'investissements. Mon commandant, il y a également une place pour vous, là, à côté du colonel. Il voulait passer inaperçu, mais bon, voilà. Ou alors il voulait se faire remarquer, voilà. C'est... Vous pouvez l'applaudir, allez, on y va. Bravo! Donc 29 millions d'investissements. Des investissements d'abord dans l'assainissement de nos communes pour près de 7 millions d'euros et qui ont notamment permis de régler le problème de traitement des eaux usées de Fénétrange, Niederstinzel, Foucré, Fribourg et Hellerin-les-Fénétranges. Les élus le savent. Le contexte est aujourd'hui particulièrement contraint par la nouvelle politique d'aide apportée par l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Et je pense que le mot d'aide est déjà superflu. Malgré cela, et avec l'objectif de ne pas augmenter les redevances, nous continuerons à investir. En 2020, 4 nouvelles communes seront concernées, Schneckenbusch, Hess, Hermelange et Hémin. Et d'ici 2023, d'ici 3 ans, l'ensemble de nos communes devrait être assaini, ce qui est sans doute un exemple et une exemplarité par rapport à d'autres territoires. En 2019, nous avons également mené des travaux d'aménagement d'un pôle d'échange multimodal pour les réseaux de transport par train, bus ou vélo en gare de Sarrebourg et qui va être très prochainement enrichi par un service d'autopartage. Le déploiement du très haut débit suit également son cours. En 2019, la fibre Internet est arrivée dans 17 nouvelles communes desservies par les nœuds de raccordement implantés à Desselin et à Richicourt avec 3000 prises individuelles. Depuis 2017, 10 400 prises ont déjà été installées. En fin 2020, le chantier devrait toucher à sa fin, avec la desserte des communes desservies par les plaques de Harberg et de Bedborn, et puis surtout la plaque Sarrebourg, Dimbul et Saratrof, le tout pour 15 600 prises supplémentaires. Au final, ce déploiement d'environ 25 000 prises Internet devrait coûter 10 400 000 euros à la communauté de communes, sous forme de participation au syndicat mixte Moselle Fibre créé par le département de la Moselle. Mais dans la foulée, il nous faudra aussi assurer la reprise et la mise en conformité du réseau initial de l'ancienne communauté de communes des Deux Sars avec 4 200 prises au total, afin que l'accès et les services offerts par la fibre soient identiques sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, et probablement plus encore demain, la communication numérique dominera les échanges dans tous les domaines. Et la mise en place du très haut débit est un enjeu majeur, comme sans doute ce fut le cas au début du XIXe siècle pour l'arrivée du chemin de fer ou encore de l'électricité au début du XXe siècle. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est la troisième fois que j'ai le plaisir de partager votre cérémonie de vœux. Je salue l'ensemble de votre équipe municipale, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire honoraire et conseiller général honoraire, l'ensemble des forces vives de la commune. Ça me fait vraiment très très plaisir d'être à nouveau parmi vous, même si j'ai l'impression que cette année est passée comme un souffle. Et j'ai encore des souvenirs de notre précédente cérémonie comme si elle avait lieu à peine hier. Alors,
pour moi, c'est quelque chose de très particulier parce que les Rommel fin juin sont systématiquement dans la tradition des choses les premiers à qui je souhaite leurs vœux, puisque sur sollicitation du maire, le soir de Noël, devant mon sapin, avant de me livrer aux différentes agapes en famille, eh bien, je demande toujours à mon épouse de me filmer devant le sapin pour vous adresser les vœux qui sont ensuite diffusés sur Rommel fin TV. Donc je vais refaire l'exercice ce soir et comme ça on aura la possibilité de comparer les deux vidéos. Cette année, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la seconde année consécutive sur Rommel fin TV à l'occasion des vœux de la nouvelle année, au terme d'une année 2019 qui est passée comme un souffle mais qui aura été pour le moins agitée. Avant toute chose, au moment d'entrer dans la nouvelle année, je souhaitais avoir une pensée émue pour celles et ceux de nos concitoyens qui sont actuellement frappés par la maladie ou qui connaissent la solitude. J'espère sincèrement que ces fêtes de fin d'année ont été l'occasion pour eux de trouver un peu de réconfort auprès de leurs proches et que la nouvelle année leur offrira des perspectives et des horizons nouveaux et plus prometteurs. Super, ben, ça vous a plu? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Je filme. Ouais. Ah. Oh. Le garde qui... Son... qui... Oh, hein. Ouais. Alors en général, je prends un... C'est quoi ça? Là, il y a un petit ruisseau qu'ils ont fait. Une fontaine. Alors? Oui. C'est une fontaine? Ouais. Quelques images d'un exercice de secourisme des pompiers de fait étrange. Cette zone a été reconnue, mais il faut faire du 100%, hein, ouais. Qu'on n'ait plus besoin après, à y repasser. Là maintenant, là j'ai pu te redécouvrir, mais après, là je peux te dire que le... reconnu tout le premier niveau, nous nous sommes arrêtés là, et donc le prochain niveau... De toute façon, la lune est vide, elle reste là où... Le but, ça, c'est, là, c'est de faire une aisance en travail avec l'aérie dans un milieu confiné par la fumée, et le but de la mission, c'est de rechercher une personne. Voilà, et donc c'est aussi pour que les gens, que les binômes s'aguerrissent au port de l'aérie et à travailler en binôme et en travaillant en équipe, et surtout le retour d'informations qui doit être fait au chef d'agré pour pouvoir donner d'autres missions par la suite, quoi. D'accord. Thank you.
Le mois de janvier est principalement celui où on brûle les sapins. Voici quelques images de l'Überstanzel. Vas-y, on y va. Ah, c'est Gainsbourg qui avait fait ça. Ah ben lui, il en a fait des conneries. Sur le visage. Exact. Hein? Très bien. Mmh. J'ai un bon foison là. Le mois du théâtre de Fées étranges. Voici quelques scènes de cette pièce. Biche pour biche! So, kleine Ondenke, un petit souvenir. Hein? Ce qu'il a oublié le. Voilà. Und ich muss noch einmal einen großen Applaus machen auf die zwei Schreiber und die sechs Sojento. Also, danke. Ah, du Hanses, Junge. Du Hanses ja unsere Schüler. Ich habe schon gemeinsam Hanses vergessen. Ja. Essen und Morris Nügel sind die Spätzle und sind die Spaghetti. Das geht euch Kraft und Saft auf Garantie. Nun, der Buckel, das sitzt, das nenne ich ein Kühljahr. Hoffentlich wird die Zeitung auch viel gelesen, dein ganzes Elsässes, dass man die Nüdler auch besser verkaufen. Nur, ich muss schon sagen, mit dem letzten kann ich nicht gerade lagen. Ja. Unsere Ziel ist einmal wieder erreicht. So steht's. Les pâtes de Maurice Nudel en augmentation von über 35%. Ich verliere nichts, wenn ihr uns sowieso Worte wert. Ein Mann ist noch lange nicht was. Ich hätte Nudel und nicht Rassisten. Mensch, die ist hoch in den Kopf gegangen. Mir geht's nicht hoch in den Kopf. Nur in der Familie des Schneegolds weiß man sowas zu schätzen. Hör ich mal! Du schwitzt! Also, ach, Signor, ich habe jetzt kein Zeit! Komm mal, unter da mal bitte! Verschwitzt, ajo, mais bien sûr, nous aussi au travail! So, wie hat die Taxi-Driver gestorben? Schneiden nicht unter Gary! Der einzig Gewinn ist, bin ich der volle Gemocke! Nicht
vas bondir, madame du Deutsch. Das muss erlebten. Aus finanziellen Gründen. Er ist jetzt schon... Bondir, Marquise, du de Schneegans vom Hirnerhof. I am very, very happy. Aber wissen Sie, ich hoffe, ihr nehmt es jetzt nicht so in den Hof, aber ich möchte jetzt sofort begleiten. Sofort? Was geht's dann? Es geht um Folgendes. Viel Mond sitzen. Ja, ich sitze echt. Wir haben es da. Madame, was ein Unruf, was ich euch erzähle. Von hier in Saulau, ich komme noch nie bei mir. In 1944 ist über Finchingen ein Flieger abgeschossen worden. Der Pilot, Amerikaner, ist monatelang da in der Ringstraße versteckt, gepflegt und ernährt worden. Nicht wahr, Herr Meyer? Ja, Flieger abstoßen! Johnson ist wieder da. Und der tapfere Held ist nach dem Krieg wieder nach Amerika zurück, wo er sein Glück gefunden hat. Ja, mach doch ihr mich jetzt nicht nur deine Kriegsgeschichte. Deine Johnson, deine kenne ich überhaupt nicht. Und da komm ich stolz. Mach doch langsam, komm ich mal da zu. Ein paar Tage vor seinem Tod hat der Johnson ein Testament geschrieben. Unter uns ist Dankbarkeit ein Stück von seinem Vermögen geschenkt will. Auch nur ein Stück von Vermögen. Ein Vermögen? Ja, ein Schenke. Ja, und darf man wissen, wenn? Madame, spitze gut Ihre Ohren. Sein letzter Wunsch ist $1 Million, will er verschenken. Und der Ernst und an der ehrliche Person, die da in der Ringstraße wohnt. Aber nur der ehrliche und der Ernst von der Ringstraße? Oui, oui. Ja, ja, aber arm muss man das sein? Arm, Bettelarm, das ist doch nicht unsere Fall. Natürlich wird er ein Emissär schicken, wo das genau alles überprüfen geht und wo entscheiden geht, wer die ernste Person ist in der Ringstraße. Und wer der Scheck von $1 Million inkassieren dürfte. So schnell ist ein bisschen das Leben. Los ist es, Sonst und Brunnen geht über alle Richtungen. Ja. Nee, also ein so großer Scheck. Da, da ist ja nichts mehr hängen und nichts mehr vorne. Gibt's überhaupt niemand selbst drauf? Ja, und die Armut tut sich vor uns lohnen, verstehst du? Nö, also nö. Ich glaube jetzt mit deinen zwei ist sicher. Hä? 500 Euro. Sagen wir es noch einmal. Das Ohr hat geklingelt. Du, warte, ich muss doch lieber sagen wir es noch einmal. 500 Euro. 500 Euro. Mein Schüler. Albert. So, blau, blau, blau blüht Enzian, wenn dein Apfel blüht, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, ich lieb. Vergessen kann, wenn des Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht. Und das weiße Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Und das weiße Madel sang so schön, holla dia
la di ya, ola di, ola di o. Oh la di ya, di ya, ola di, ola di o. Blaue Blumen dann am Weg ran stehen, ja stehen. Und das weiße Barrel sang so schön, ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn man anderen blüht, wie uns wiedersehen mit ihrem rot, 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 Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann, ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn man anderen blüht. Wie uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen fing es an, wie ich nie vergessen kann. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ola di ja di ja, ola di ola di o. Ola di ja di ja, ola di ola di o. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn man anderen blüht, wie uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau blüht Enzian, wenn man anderen blüht, wie uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn man Alpen blüht, wie uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen fing es an, wie ich nie vergessen kann. Ja! Au fait, la revue de 2019 est arrivée. Avez-vous déjà regardé dans votre boîte à lettres ?